Coucou à tous et bienvenue pour cette petite et mini vidéo. Oh, je vais vous présenter un mod qui devrait même pas exister, puisque je pense que cette fonctionnalité devrait exister dans le jeu de base. C'est un mod où les couples amoureux, quand ils dorment la nuit, ils se font des câlins, comme dans les Sims 3, comme dans les Sims 2, comme dans la vie, il paraît. On va tout de suite tester ça avec les gothiques. Nous voilà chez les gothiques avec les vrais gothiques. Attention là, je déconne pas. La vraie Bella gothique. Enfin Sonia, je veux dire. Et ils vont avec son amoureux, Marie, tout ça. Ils vont aller faire un petit crac-crac. Crac-crac avec Vladi. Voilà, un petit crac-crac avec Vladi. En plus, elle était déjà chaude comme la braise parce qu'elle lui a fait un petit bisouille. Et pour se réchauffer de ce froid glacial qui règne chez eux, un petit crac-crac dans les lits. Ça ne va pas faire de soucis. En plus, elle est enceinte. Quelle est cette diablerie? Alors que le crac-crac se termine, j'espère en tout cas qu'ils vont se câliner un petit peu s'ils dorment. Parce que des fois, ils dorment pas tout de suite après. Hein. Mais ce serait bien, en fait, qu'ils dorment. Au moins, ça se passe bien. Les voilà endormis. Oh non, Sonia, elle se réveille. Mais lui aussi. Oh non. Oh mais non, allez. Va dormir, et toi aussi. Je veux dire, allez-y. On est là pour ça, pour vous observer dormir. C'est pas bizarre d'y se dire comme ça, hein. Ne le sortez pas de son contexte. Oh, ah oui. C'est... Oh, elle fait un petit bisou. C'est beaucoup trop cute. Oh non, c'est trop mignon, j'aime beaucoup trop. Oui, bon bah elle est enceinte, hein, donc la petite gerboise quoi. C'est incroyable, j'aime beaucoup trop. C'était furtif, mais qu'est-ce que c'était beau. Je pense que ça va faire partie de mes modes préférés que je n'enlèverai jamais de mon jeu. D'ailleurs, dans ce cas-là, je vous mets une petite fiche également pour les modes que j'ai par défaut dans mon jeu et qui ne le quittent pas. Je pense que celui-là, vous pourrez l'ajouter à la liste. Oh, mais j'avais pas vu qu'il y avait un moodlet avec le mode réconfort amoureux, heureuse plus 1, raison câlin au lit. Après une journée bien remplie, rien ne vaut le repos dans les bras de la personne que l'on aime. Sonia se sent pleine d'énergie et prête à affronter le monde après un sommeil réparateur avec ta moitié. C'est trop chou, ça dure 3 heures a priori. C'est extrêmement mignon. Je pense que lui aussi doit l'avoir. Ah oui, il a aussi le réconfort amoureux câlin au lit. C'est trop bien. C'est vrai que c'est très mignon. Et puis c'est vraiment un truc qui nous manquait. Moi ça fera partie donc de mes modes par défaut dans mon jeu et préféré. Bref, c'est top. Allez, de nouveau de retour dans le lit pour une petite sieste. Ah, c'est trop beau. Pourquoi ça n'existe pas dans les Sims 4 par défaut? Oh non! Oh, c'est trop mignon, j'aime beaucoup trop. C'est pas grand chose, comme je vous l'ai dit, c'est une minuscule vidéo, mais rien que ça. Quand vous aimez vos Sims, c'est que vous faites un petit couple qui sont bien amoureux, qui sont adorables, franchement. C'est le meilleur mode du monde, on est d'accord ou pas? Voilà, moi j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, hein, le lien de ce mode est dans la description comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit mot, un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu, si vous allez le télécharger. Le mot de la fin ce sera concombre, évidemment, hein, parce que voilà. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao.